Yeah, man! Donc, alright tout le monde, je suis Jeff Sinner. Et on se retrouve sur une nouvelle série de Legend of Zelda, Link's Awakening. Donc, c'est un jeu que j'ai jamais joué. Je suis un grand fan de Zelda, pour ceux qui me connaissent très bien. J'ai joué à toutes les Zelda, sauf ceux qui étaient sur une console portable. Parce que j'ai toujours détesté jouer sur une console portable. Donc, je me contentais juste de regarder des vidéos. Mais c'est parti, man. Le remake est là. Ça fait déjà longtemps. Ça fait longtemps que je pense me le get. Mais je le trouvais tout le temps trop cher pour qu'est-ce qu'il offrait. C'est quand même juste un remake d'un vieux jeu de Game Boy, là. Ah, ok, on va partir ça. Mais finalement, j'ai fini par l'acheter parce que, ben, il tombe jamais en rabais. Mais let's go, on y va. Nouvelle partie. Normal. On va rentrer. On va rentrer notre nom. Ce sera pas bien long. Je vais juste marquer Jeff parce que ça va être trop long sinon à écrire. Let's go. Ah! Il revient à lui! Enfin, j'ai cru que tu n'allais jamais te réveiller. Tu devrais... cauchemarder. Quoi, Zelda? Tu dois être encore poké. Je m'appelle Marine. Tu es sur l'île Cocolin. Ok. Alors, Jeff, t'es réveillé? Je suis Tarquin. Tu te sens mieux? J'aime le fait qu'ils ont vraiment... Ben, je sais pas si en version française, c'est comme ça. Genre, français-français, je sais pas. S'ils mettent des apostrophes, parce que je sens vraiment qu'ils ont mis ça de québécois, je sais pas. C'est peut-être un petit feeling que j'ai, là. Quoi? Comment je sais ton nom? Ben, c'est gravé sur ce bouclier. D'ailleurs, il est à toi. Je te le rends. Alright. Nice. Ok, je me demande... Attends, je vais retourner parler à Marine. Ça va falloir que je parle. Suis le chemin vers le sud et tu arriveras sur la plage où je t'ai trouvé. Ah, ok. Mais sois prudent, depuis que tu as échoué ici, des monstres terribles rôdent. La petite intro était cool et tout. Donc au sud. Oh shit. Ouais, j'avais vu qu'il avait mis des chiens Mario là-dedans, je trouve ça bizarre, mais bon. Posera pas de questions. Ah ouais, là, j'ai pas d'épée. Hop. Ah, la plage, elle est là. Ça me semble que je peux y pousser avec mon bouclier dans, comme ça. Ouch. Ah, notre épée. Cette épée est donc à toi. Je comprends mieux pourquoi les monstres s'agitent tant. Le héros, celui qui doit réveiller le poisson rêve, est arrivé. On dit que le héros ne pourrait pas quitter l'île tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. Viens me voir dans la forêt enchantée au nord du village. Je t'y attendrai. Qu'est-ce que j'aime par exemple des Zelda, c'est que quand ils parlent, il n'y a pas beaucoup de dialogue. T'as pas à lire beaucoup. C'est tout le temps aller droit au but. Puis j'aime ça. C'est la tienne quand ton nom est inscrit dessus. Comme quand tu faisais à la petite école, t'écrivais ton nom sur tes crayons. Ah, oh, la petite soundtrack, man. Gros, ce soundtrack-là, là, ça a tout le temps été, ça va toujours rester la meilleure soundtrack du jeu vidéo. Hein. Mon opinion. Aïe, aïe, mais Chris.
Y a-t-il des affaires dans ces trous-là? Ah, ok, non. Je pensais que ça était comme dans Ocarina of Time des fois, là. Ça a l'air que non. Ok, c'est pas grave. Ok. Oh, nice! Fait qu'on sait que les petits trous qu'il y a dans Ocarina of Time, ben comme dans Ocarina of Time, des fois, ils t'apportent à des cœurs, puis ça fait juste te tuer. Ça rame par bout, esti, hein? C'est l'enfer à quel point que la Nintendo Switch, là, est nulle comme console. Je veux dire, c'est en 2021, puis il y a encore des jeux 30 FPS, tu sais. Que voulez-vous? Moi, je l'ai acheté juste pour les séries Zelda. Puis Monster Hunter à Star. Bienvenue dans la forêt enchantée, jeune héros de l'éveil. Apprends que... C'est quoi? Que la bien mystérieuse île, Cocolin, n'existe sur aucune carte. Les règles qui la régissent différent un peu de celles de l'endroit d'où tu viens. Mais sache que tu pourras pas la quitter tant que le poisson rêve, ouais, la divinité de l'île dormira. À propos, as-tu aperçu la caverne Flagello, située au sud du village? La caverne, non. La clé permettant de l'ouvrir est cachée dans cette forêt. Ok. Ben, lui, il me dit de le rejoindre dans la forêt, là, donc j'avais aucune idée qu'il y avait un temple là. Je veux dire, j'ai jamais joué à ce Zelda-là, ça fait, c'est cool de jouer à un nouveau Zelda, genre. Ben, à un Zelda. Que j'ai déjà regardé des vidéos un peu. Mais, ouais, non, c'est cool. Trop lourd, ok. Oh shit! Ah merde. Ah, je pense que je viens de... Est-ce que je peux passer sur ça? Ah ok, je dois passer vite. Je dois pas rester dessus, c'est pour ça que l'autre il a cassé. Fuck. Non, j'ai pas... Ah non, c'est bon, je peux encore m'en sortir. D'après moi. Comme ça. Ça se pousse-tu, ça? Ouais. Ok, cool. On se fait du cache un peu. Ok, là, je peux pas. Je pense pas qu'il y a un moyen que j'aille chercher ce cœur-là pour tout de suite. Ouais, il faut vraiment... Je vais sûrement avoir un genre de marteau plus tard ou quelque chose. Genre des bombes. Plus des bombes, là. C'est quoi ça? Calice. Tu as ramassé un champignon. Un arôme subtil. Asti. Va-t'en, là. Je me trompe tant de boutons. Si je fais... Je fais A pour attaquer, mais ok, je peux pas aller là. Il y a un coffre là. D'après moi, la clé est là. Là, je peux pas aller là. Ok, fallait que je retourne à l'autre place. Ah, t'es-tu sérieux? Ah, elle vient de me fourrer sa LED. Ok, attends. Oh.
Ok, ouais, mais... Attends, là. Voyons, comment je fais pour passer, là, cette petite cave? Ok, ouais, je pense que j'ai trouvé. Comme ça, comme ça, puis comme ça. Calice de chauve-souris à marde. C'est que je suis pas habitué à ce genre de gameplay là. Et j'avais fait le premier Zelda pour ses 35 ans, puis ça faisait drôle. Ah, pas eux autres. Ok, je peux aller là. Ah, il y a une fée. Je vais pas... Ferme les yeux. Ah, vas-tu toujours rester là? J'espère que oui. Oh merde, elle s'en va. Je l'ai gaspillé, man. Je l'ai gaspillé parce que j'avais pas vraiment besoin d'un autre cœur, là. Va-t'en! 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 Oh! Un fragment de puissance! Ah, ok. C'est comme l'étoile de Super Mario. Ok, ouch. C'est ça la caverne? Non, pas en tout. Voilà un beau champignon qui endort. Ah! Une poudre magique. Ok. Assigne-la à X ou Y. X. Ça fait quoi ça? Ah, oh, ok, ça l'endort de même. Nice. Une chance qu'attaque vite. Ah fuck, comment je fais pour y aller? Ouch. J'ai pas été là encore. Ouais, j'ai pas été là encore. Hey, tu vas te perdre dans la forêt. Quoi? Ah, oh, merde! J'apparais à quelque part de random, là. Je sais pas ce que je suis. Mais il me dit tu vas te perdre dans la forêt, j'ai pas voulu continuer. Ah, ok, c'est bon, je suis repéré. Depuis tantôt, je me promène dans la forêt, je suis pas perdu. Faut que je fasse quoi de bord? Mais parler? Je suis un raton laveur esplié que j'aime pas du tout ce qui est poudreux. Poudreux. Ok. C'est Mario? Avec ses champignons. J'ai croqué dans un champignon et puis j'ai rêvé que j'étais devenu un raton laveur. C'est fucking Mario, man. Après, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais c'était trop rigolo. Je me sens tout drôle. Je vais me reposer avant de rentrer.
Ok, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi je me suis perdu dans la forêt tantôt? Ah, la clé. Ça doit être ça, la clé, dis-moi. La clé flagello. À présent, rends-toi à la caverne, flagello, au sud du village. Récupère l'instrument qui repose. Ok. Ça va être une flûte ou quelque chose du genre. Ça va être notre premier item de donjon. Bon, on retourne au village. Au sud. Aïe aïe. Ah, je pense que je l'ai trouvé. Ouais, fait qu'en gros, là, la tempête qu'il y a eu, en fait, c'était le destin qui nous a fait échouer sur l'île. Qui était pas sur la carte, parce que ben c'était notre destinée. Puis ben là, il faut quitter l'île, puis il faut réveiller le poisson... Je m'en souviens plus comment il s'appelle. Ça fait drôle parce que j'ai joué il y a pas longtemps à, au premier Zelda. Puis là c'est comme une version 3D HD de du premier Zelda, fait que je trouve ça drôle. Ben 3D, genre 2D 3D là. Oh. Ouch. Ah, je suis allé au bon chemin direct en partant. Qu'est-ce que ça fait ça? Une clé? Ouais. Je l'ai les porter en bas, mais non. Regarde, il y a un cadavre là. Ah, oh, fuck. Je l'ai pas allé là. Ah, oh, non, merde. Je savais pas qu'il y avait un chemin là, man. Fuck. Es-tu sérieux? Oh shit. Ok, nice, je reviens au début. Parce que tout ce que je voulais, c'est dans mon coffre ici.
Ah, c'était une carte. Nice, ça va m'aider un peu. Donc après ça, moi je vais là. Après ça, je dois aller là. Il y a un coffre là. Où je peux monter jusqu'en haut là. Comment je peux aller ici? Pour avoir quelque chose. Je pensais que c'était un cadavre ça au début. Ça passe proche. Elle parle, mais je comprends pas ce qu'elle dit. Ok, la poudre, ça a pas marché. Bon, j'ai rien à faire ici. Attends. Comme dans le premier Zelda. Ben, le premier Zelda. Oh, ok. On va avoir notre item. Ah, c'est exactement pareil, ça fait tellement drôle. Ah, des Goombas, what the fuck? Ok, man. Vous souvenez pas qu'il y avait des Goombas là-dedans? Ben, souvenez, genre, j'avais checké des vidéos, mais j'avais pas vu ça. J'avais vu le chien, mais pas ça. Ok. Une plume. Je me sens léger. Oh. Ah, nice. On peut sauter dans ce jeu-là. What the fuck? On peut sauter dans un Zelda autre que Breath of the Wild. Master Key. Nice. Éteins ça. Oh fuck!
Oh fuck! Ça va, t'en. Oh, c'est un mini-boss? Merci. Ben viens-t'en. C'est quoi ça? Ah, ok. J'étais comme, j'ai pas fini le donjon là. On peut sauter par-dessus. Nice. C'est quoi qu'il y a là? Ah, ok. Là, je trouve ça, tu fais des flips. Oh, c'est parti, let's go! Il fallait pas un... Ah ouais, je me souviens tellement de lui. Ouch. Yes, il manquait un cœur. Yay! Oh, elle a l'instrument, ok, c'est l'item après le boss. Une guette! Un violon, ok. Les instruments dans les Zelda, ça a tout le temps été culte. Marais, une nouvelle voie s'ouvrira à toi dans le marais fleuri. Je dois aller dans les marais. Alright, hey, on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié, man. C'est vraiment cool de rejouer un petit jeu Zelda de même pour elle, man. N'empêche qu'il était extrêmement cher comme jeu, je trouve, pour qu'est-ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave, là, au moins c'est le fun. Mais hey, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'adore faire des séries sur Zelda, man. On se retrouve sur la suite à la prochaine. Ciao.